Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau let's play sur un nouveau jeu Zelda. Donc je voulais tenter avec vous. Oui, c'est un truc de ouf, je suis d'accord. Donc les gars, notre stomp, on va juste commencer quoi. Du coup, j'espère que ça va vous plaire parce que je vais faire un let's play de malade sur ce jeu. Je vais sûrement faire une vidéo, je vais sûrement faire au moins une ou deux vidéos par semaine sur ce jeu. Et du coup, on va tenter de le finir. Du coup, je crois que c'est parti. Voilà. Je connais à peu près le jeu, donc. Oui, c'est pas les meilleurs graphismes que j'ai vus de ma vie, mais bon, j'ai pas tout. Donc c'est déjà bien. Donc la carte mémoire dans le slot A contient des données corrompues et a besoin d'être formatée. Je m'attendais pas à ça. On va juste voir si c'est possible de... Donc on va s'appeler Link, oui bien sûr. Donc valider, fin. Apparaît notre cheval. C'est un des. Ça a l'air. C'est un truc de ouf. Donc les gars, donc comment je vais appeler. Je crois que je vais l'appeler Bonheur en fait. En fait, moi je suis trop habitué au au clavier, donc je sais plus où sont les trucs. Epona, voilà. D'ailleurs, je sais pas si tout le monde le sait, mais Epona, c'est une fille. Hein. Magnifique cinématique. Je me sens toujours mélancolique. Lorsque le crépuscule arrive, pas toi? On dit que c'est le seul moment où l'au-delà et notre monde se recoupent. Le seul moment où l'on ressente l'angoisse des âmes bannies dans ce monde sans lumière. C'est de là que vient cette solitude, ce désespoir qui nous déchire le cœur entre chien et loup. Link, j'ai une faveur à te demander. Après-demain, je dois partir pour Hyrule, remettre un objet à la famille royale. Le chef du village m'a désigné pour cette mission. Mais tu ne voudrais pas y aller à ma place? Dis-moi. Tu n'es jamais allé à Hyrule, n'est-ce pas? Le château du royaume d'Hyrule est magnifique. Et la citadelle à ses pieds est beaucoup plus vaste que notre village.
et ce monde créé par les déesses l'est encore plus. Tu devras découvrir toutes ces choses par toi-même. Nous ferions bien de rentrer au village. Je vais tout expliquer à Bodan. Ça s'appelle comme ça le village? Ah, je savais pas. Il y avait un autre nom, le village. Peut-être qu'il a changé entre-temps. Parce que moi j'ai une assez vieille version. Comme vous voyez, en bon gros pixel. Mais bon, ça fait le taf. C'est sûrement parce que c'est une cinématique. Je suis sûr que quand on va jouer, ça va être beaucoup mieux. Mais bon, je vais enlever un peu de son, voilà. Je crois que là c'est mieux. Donc ouais, il y a un enfant et une femme, on dirait. D'ailleurs, on dirait qu'elle est enceinte, non? Ouais, on dirait un peu qu'elle est enceinte. What? Elle veut les poulains? Bon, bien sûr, je me rappelle de rien de ce jeu. Ça fait un peu longtemps. Oh, et Link, tu es là? Désolé de te déranger, mais tu viens me donner un coup de main pour rentrer les chèvres? Ces derniers temps, elles font comme si j'étais pas là. Bah ouais, j'arrive. Hein? Oui, Epona. Bah j'ai vu quelqu'un la voler apparemment, donc... Attendez. Bien vite et emmène Epona avec toi. Je crois que c'est une protection pour Ah, attendez, il y a la caméra qui est un peu chiante. Ok, ah, il y a deux options, ok. Moi si on sent... Non, de... Je sais pas ce que c'est, vibration, oui, son stéréo. Je mets stéréo, moi. Les gars, il y a un petit problème. Il y a les touches qui marchent pas super. Donc je suis désolée, mais vous allez voir que du noir pendant 2 secondes. C'est vraiment très rapide, je vous le promets. Ok, 2 secondes. C'est juste que je dois... configurer 2-3 boutons, voilà, parce que c'est un peu, voilà, vous avez compris quoi.
Ok, je vais lancer le jeu. Je suis désolé, mais c'est les touches qui sont un peu dégueulasses. Mais bon, j'ai pas trop le choix si je veux. Là, vous le voyez en tout petit, si je dis pas de bêtises. Et là, vous devriez le voir en grand. Voilà, c'est là, c'est mieux. Donc voilà, on va lancer le jeu. Ah, ça a tout réinitialisé. Oh non, j'ai le seum. J'ai un peu le seum. J'ai un petit peu le seum. Heureusement, on peut passer. C'est sûr, c'est pour nous empêcher d'aller là-bas. Et là-bas, je peux y aller? Ouais. Ok, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Et c'est l'endroit où on était au début. Ah! T'as volé mon cheval, viens ici! C'est qui? Oh, Link! J'aurais dû m'appeler Kékette. Epona est prête. Je l'ai brossé et étrillé pour toi. Bon bah merci hein. Sûrement une copine à Link. Peut-être Zelda même. Et on le sait pas. Moi je me casserais bien. Ah merci mais pas merci en fait. Voilà. De toute façon, qu'est-ce qu'elle va faire? Il est où le mec? Elle avait interdit d'aller là-bas, donc maintenant je peux y aller quoi. Ok. Je suis pas sûr, je crois que j'ai fait le bugger le jeu. Et c'est là qu'on doit aller si je dis pas de bêtises. Ok, parce qu'il y a des camps de chèvres, donc on est d'accord, ça c'est des ça c'est du chèvre. Ouais bah on va s'en occuper, il faut les entrer dans les enclos. Je sais pas comment on va faire mais. Ok, il faut les faire fuir, ils vont dans l'enclos. Ok, il y a écrit en bas. Et c'est marrant comme jeu. Non mais oh là là. Apparemment, il y en a toujours une, au moins une qui n'entre pas dans l'enclos. J'ai bien peur que ça soit peut-être celle-ci.
ils entrent dans l'enclos tout seul masterclass. Ok. Plus que ces deux-là. C'est... Oh non, mais sérieux. Entre là-dedans. Oula, elle est vénère. Oula. Mais pousse-toi aussi, toi. Oh là là, il fait chier, le mec. Fait un petit peu chier. Même un petit peu trop chier. J'en dis. Et entre... Ah, yes. Allez, dernière. J'ai la flemme d'attendre 10 heures. Ok, c'est bon. Oh, et maintenant, tu... Ok, il m'a dit, ouais, la prochaine fois, je me débrouillerai tout seul. Merci à Link et Epona. Et là, il dit... Oh, et maintenant, tu fais quoi? Tu veux faire un petit entraînement au saut d'obstacle avant de rentrer? Juste une seconde, je te prépare le terrain. Mais il me laisse même pas le choix. J'ai pas le choix. Oh non, j'ai dit non. Ok, en fait, c'est comme dans tous les jeux Zelda, quoi. Où je vais là? Voilà, oh, bah il y a les enfants là. Allez, debout Link. C'est l'heure de... C'est plus l'heure de dormir. Laisse-moi tranquille, mec. Je suis un pré-ado, tu laisses-moi vivre. Non, je déconne. Non, mais dans la vraie vie, en vrai, je suis un petit peu un pré-ado. Bon, c'est un peu chiant, c'est juste. Bon, du coup, je suis désolé au début que je vous ai montré un écran noir. En fait, c'est parce que... Et quelques boutons que j'avais oublié de configurer. Et il y a normalement, oui, c'est bon. Maintenant, ça aussi, c'est bon. Avant, je pouvais pas faire ces deux trucs là. C'était. Et voilà, non, c'est. Il y a la carte et les objets, bien sûr. Bah, il les faut, quoi. Ouais. C'est un peu ça. Donc, voilà, je les ai mis. Et aussi, il y avait le joystick droite, donc le joystick R, qui était inversé, donc je l'ai remis. Donc, en gros, quand c'était normal, c'était inversé. Donc, je l'ai inversé, comme ça, c'est plus inversé. Je sais pas si vous avez compris. Allez, Anaïs. Et en vrai, Anaïs, ça me fait penser au nom. Vous savez, je sais pas si vous savez, sur YouTube, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Fantasy Ange. Et c'est une chaîne assez marrante avec une petite fille qui s'appelle Anaïs. Allez, genre la petite fille là qu'on voit, je la cache, ouais, parce qu'elle est un peu conne. Donc je la cache, voilà, comme ça. Après, je vous la montrerai. Donc, allez, Anaïs, on veut juste le regarder. Il doit bien y avoir un moyen. Tu y vas innocemment.
Si c'est pas possible, on peut toujours changer de famille. Quoi? Elle me fume. Ah, vous voyez la fille en haut là, de l'écran, il y a une petite fille dans le tuyau là. Le bébé, il dit genre, si c'est impossible, on peut toujours changer de famille. Mais genre, ouais, ça se fait comme ça. Si tu veux, ça se fait comme ça. Hein. Non, mais sérieux? Mais sérieux, mais wesh. Mais qui juste bah, Moulin contre Lance-Pierre, c'est équitable, non? Attends. Si j'ai bien compris, là, ils veulent le Lance-Pierre. Ils veulent un Lance-Pierre. Et genre, la petite, là, elle propose de changer de famille juste pour avoir le Lance-Pierre. Laisse-moi tranquille. Attends, pour une... Non, mais genre, un bébé, tu vois, un bébé. Hein. C'est n'importe. Un bébé, genre, est-ce que vous avez déjà vu un bébé, regardez, littéralement. Un bébé. Un petit bébé, vous voyez le bébé, là? Attends, tu caches tout, là. Attendez, est-ce que vous avez déjà vu un bébé? Regardez ce petit bébé. Un bébé qui dit que... Genre, juste pour avoir un lance-pierre, changer de famille. Changer de famille, quand même. Hein. Changer de famille. Vous savez, qu'est-ce que c'est, changer de famille? C'est vraiment un truc de ouf. Je sais pas si vous savez, mais c'est vraiment... voilà, quoi. Bonjour, Link. Tu ne travailles pas aujourd'hui, hein? J'ai fini ma canne à pêche. Je voulais te la donner ce matin très tôt, mais mon père m'a dit d'attendre que tu viennes la prendre. Alors je ne te l'ai pas apportée. Attendez, donc de ce que j'ai compris, il veut un lance-pierre. Où je peux trouver ça, un lance-pierre? Sérieux? Qu'est-ce que t'as? Oh, bonjour! Si tu cherches mon mari, il a pris son épée et il est parti très tôt ce matin. Mais dis-moi, Link, tu n'aurais pas vu un couffin sur la rivière? Il est tout juste assez grand pour y mettre un bébé. Oui, il est tressé et écorce de bois vert. Me voilà bien embêté. Jusqu'où a-t-il pu être emporté? Je suis à rivière, genre. Attendez. Sur la rivière. Quelque chose sur la rivière. Je m'en fous de tes conseils. Tu te demandes quoi de... J'ai pas trop compris, mais bon. Cueillir, siffler, what, c'est quoi ça? What, qu'est-ce qu'il a là-bas, lui? Mensonge. Attendez, on va viser. Attendez, on va essayer de bien viser. Voilà, là, on est pas mal. Il est trop long, attendez. C'est
Attendez. Ah, ici. Je crois que là, c'est bon. Bon, on n'est pas obligé de voir la cinématique, on peut passer. Oh, attendez. C'est pas le truc de demander notre... La femme là-bas. Wesh. Je voulais juste viser les singes, moi. Oh, moi, je voulais juste martyriser les singes, mais bon, ce singe, il a pris ça, donc je crois que je l'ai un peu martyrisé en lui prenant son truc. Mais bon. Je vous suis, madame, même si je ne suis pas votre... hop. Votre couffin, voilà ce que j'en fais. Voilà, c'est de la merde. Hop. Tiens, c'est bon, je te l'ai apporté. Hop. Merci beaucoup, Link. Ah oui, j'ai failli oublier. Je devais te donner ceci. Tiens, c'est pour toi. Et la petite canne à pêche qui fait plaisir. Qui fait plaisir. Donc aussi, il y avait un mec qui a dit qu'il y avait un chat à côté de la rivière qui tentait d'attraper un poisson. On va aller voir. Mais du coup, bah, on va essayer de l'aider, quoi. Il est où, le chat? Ah, il est là. Attendez. Je galère un peu avec les boutons, en fait. Juste objet. Oh! Ah! Un poisson qui est attiré, on dirait. Comment ça marche? En fait, il faut juste attendre. Oh là là. La vidéo entière, ça va être Link qui pêche.
J'ai pêché un poisson. Il y a un poisson. Ah bah il s'est échappé. Dommage. Attendez, je fais un peu n'importe quoi. Je crois que ça, il est... What? Oula, cette fois, il était assez gros, je crois. Oh, le chat. Et c'est un chat. Et rends-moi mon poisson. Rends-moi mon poisson. Rends-moi mon poisson. Ah, j'en ai marre. Hein. De nos jours... Oh, j'ai... Ouais, c'est mieux que ça. De nos jours, les chats n'ont aucun respect. Hein. Rends-moi mon poisson. Par la mais où il est passé? Mais par où il est passé, wesh? Par là, hein? C'est par un petit trou pour chat. Est-ce que c'était ça? Oui, regardez, c'est ça là. Attendez, c'est ce truc là. C'est par là. Attendez, rends-moi mon poisson. Rends-moi mon poisson. Ah bonjour Link, il faut absolument que je te raconte ça. Mon petit chat est incroyable. Il est revenu aujourd'hui et m'a rapporté un poisson qu'il a pêché tout seul. Ah non madame, hein. Ah non. Non, c'est pas exactement ça. Je ne sais pas comment il a fait. C'est peut-être un génie. Oh regarde mon bout de chou. Regarde-le taper son lolo. Il est tout content, il est tout mimi. Trop mimi. Ben tiens, tu n'as qu'à en boire, toi aussi. C'est gratuit, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Bouteille de lait, c'est légendaire. Ok, on récupère 3 cœurs. Ah, c'est légendaire. Mais comment je vais faire pour acheter leur lance-pierre, là, aux enfants? 30 rubis, attendez, mais j'avais combien? J'en ai 1 milliard? Non, j'en ai 0. J'ai 0, 0, 0. Pas... Non, j'en ai pas 0, j'en ai 0, 0, 0, le truc. J'ai une citrouille. Ah ok, dans les citrouilles il y a des rubis. Je sais pas qui cache ces rubis dans des citrouilles, mais bon. Si tu veux. Si tu veux, tu le fais, mais bon. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de gens dans le monde qui le font ça. Mais je suis vraiment pas sûr par contre. Hein.
Bon, on a récupéré un 3 rubis. Allez, 3 rubis sur 30. C'est tellement beaucoup. Ça fait combien de temps que j'en ai là déjà? Ah ouais, ça fait 3. Oula, il avance tout seul. Au secours. Au secours. Ah, c'est bon. Attendez, ça fait combien de temps? Ok, il avance tout seul en fait. Bientôt 37 minutes. Voilà, donc. Voilà, dans 2 secondes là, on est. Arrête d'avancer tout seul, Link. Hein. Tu vas arrêter. Ouais, je suis juste allé regarder le temps et lui, il veut. Je sais pas ce qu'il veut. Il veut avancer. Du coup, bah, je vais avancer pour lui. Hein. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Oh, il y a des rubis, je vois. Je vois là des rubis. Allez, 5 sur 30! Genre, on a. Genre, attends, il faut combien? Attends, le truc. Est-ce qu'il y a des rubis là-haut? Je sais pas, mais bon, on va quand même y aller. Faites que la ruche ne m'attaque pas. Non, parce que les abeilles et moi, ça fait 8. Oh, elle a l'air tellement géante! Ah, mon dieu! Ah, c'était sûr. J'ai rien fait, les gars. Aïe. Oula, je vais mourir. Genre, on est dans l'endroit le plus. Oh, mais ouais, je m'en vais. Je préfère les chèvres que les abeilles. Mais attendez, les abeilles, c'est tellement agressif dans le jeu. Non, mais imagine dans la vraie vie, il y a des abeilles comme ça, vous êtes dans la rue, il y a des abeilles, ils viennent, ils vous butent. Ouais, c'est. Ouais, non, je crois pas que ça existe vraiment. Par contre, à ce que je vois, il y a aussi les FPS. Vous pouvez pas le prendre, moi je peux. Je suis à 30 FPS. Ah, ouais, ça va. C'est pas la mort. Donc. On va. Sur cet épisode, on va au moins essayer de d'avoir le lance-pierre. Si j'y arrive pas, c'est pas grave, hein, mais bon, je veux quand même essayer. Bon, mais c'est beaucoup quand même, 30. C'est assez un petit peu beaucoup, quoi. Et un jour, je ferai aussi un let's play sur. Sur Zelda Skyward Sword, mais ça sera pour plus tard. Pour l'instant, il y a beaucoup de let's play que j'ai commencé et que j'ai pas terminé. Donc on va se Skyward Sword, ça sera peut-être donc quelques semaines. Du coup, comme je vous l'ai dit au début, il y a un peu longtemps, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai dit que j'allais faire quelques une ou deux ou trois vidéos par semaine. Des fois, peut-être que j'en ferai 0. Des fois, j'ai pas le temps, quoi. Quand t'as pas le temps. Oh, je vous jure. Oh, c'est bon, ça me saoule. Objet, la bouteille de lait. Je le fais juste parce que ça m'énerve le bruit que fait mes cœurs. Parce que je m'en rappelle il y a longtemps. J'étais encore un petit peu petit, je m'en rappelle encore. Je jouais à Ocarina of Time. Et mon père il me disait et j'avais un demi-cœur et il me disait ah, j'en ai marre, boîte à potions de vie là, j'en ai marre de ce bruit là qui est, voilà. Et ouais, j'étais un peu d'accord avec lui, même si ça aurait été bien cool aussi qu'il faudra qu'il change Nintendo, ça serait cool que vous changiez le son, ça casse un peu les boules. Voilà, je crois que tout le monde ici a envie que vous changez le son, parce que ouais, le son ça fait pas le son, il fait pas le taf, quoi.
Non, c'est comme si. Oui, parce que les rubis bleus, c'est. Ok, donc je sais pas si vous savez, mais bon. Les rubis verts, c'est un rubis. Les rubis bleus, c'est 5 rubis. Les rubis jaunes, c'est 10 rubis. Après, il y a les rubis. Il y a les rubis rouges qui font 20. Il y a les rubis violets qui font 50. Il y a les rubis d'argent qui font 100. Et les rubis pas jaunes mais d'or qui font 300. Donc là on en a eu le bleu là qu'on a eu, c'était un de 5. Oh là là, il faut juste 9 rubis. 9 rubis. Où je peux trouver 9 rubis encore? Ah, ça aurait été bien qu'il y ait comme dans Breath of the Wild une mécanique pour vendre tes trucs. Parce que Breath of the Wild, je crois que c'est le jeu de Zelda le plus complexe. C'est le jeu Zelda le plus complexe du monde pour l'instant. Parce que je sais pas si vous savez la qualité et tout ça. Et en plus, je suis un peu vénère contre Nintendo. Parce que, voilà, sur Switch, tout le monde disait, ouais, peut-être qu'il va sortir bientôt le Breath of the Wild 2 et tout. Et on croyait, et tout le monde croyait en Nintendo qu'ils allaient faire Zelda Breath of the Wild 2. Mais non, Nintendo s'est occupé de Skyward Sword. Et du coup, ils ont sorti Skyward Sword HD. Et j'ai regardé. Et en gros, ils ont sorti Skyward Sword HD à la place de Breath of the Wild. Du coup, Breath of the Wild 2, il va sortir. Pas, il aurait dû sortir peut-être. Ça aurait pu sortir dans 2 semaines, dans 4 semaines, peut-être aujourd'hui, peut-être dans 2 jours. Mais non, ils se sont occupés de Skyward Sword HD. Et à la place, du coup, Breath of the Wild 2 va sortir en 2023. En été, on sait pas exactement, mais bon, on va récolter ces 30 rubis, ça met du temps à pousser. Hein. Mais bon, je crois que ça poussera pas vraiment. Bon, il y a des pierres aussi. Je me souviens dans Ocarina of Time, quand tu prenais une pierre et que tu as jeté, tu gagnais des rubis. Bon, apparemment ici c'est un peu l'inverse. Tu prends le rubis et tu prends la pierre. Il y a un rubis, quand tu la jettes, il n'y a rien. À part que tu casses la pierre, mais ça c'est un détail. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc si je prends la cocotte? Cocotte? Ah, je me souviens, sur Ocarina of Time, les poulets c'était un enfer. Les cocottes c'était un enfer. Mais bon, c'était bien, on va montrer pourquoi. Vous pouvez planer, c'est cool, c'est vraiment très cool. Mais bon, sinon quand vous les tapez, ça devient vraiment un enfer. Mais sinon ça va. Mais bon, elle nous sert à rien, donc on va la jeter, voilà. Dans sa gueule. Donc les gars, je crois qu'on n'aura pas les 30 rubis tout de suite. Donc les gars, on va bientôt finir la vidéo. Non, ça pousse pas en vrai. Ça pousse pas. Donc les gars, c'était la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Enfin, peut-être qu'il y a un passage. Attendez, est-ce qu'on peut monter là? Genre, c'est en droit, je peux pas. Et on aurait pu monter, attendez, regardez. Ça aurait été possible. Dans mes rêves, de monter jusque là-bas. Mais bon, les gars, c'était la fin de cette. Attendez. Qu'est-ce que je vois là-haut ?
Attendez, on voit pas d'ici, attendez. Que vois-je là-bas? Bon, bah, du coup, bah, on va pas finir la vidéo maintenant. C'était prévu, mais apparemment, il y a un rugby de... je sais pas si c'est de 10 ou de... Attendez, mais comment on fait pour y aller? Par contre, c'est un enfer, la caméra. C'est un enfer, la caméra. La caméra, c'est ton ennemi. Voilà, sur ce jeu, ta caméra, c'est littéralement ton ennemi. Donc, attendez. Ah, mais tellement que je savais pas. Ah, bah, du coup, si c'est un 200, on est bien. Et alors, là, on est très très bien si c'est un 800. Je saurais même pas vous dire combien on est bien si c'est un rubis de 100. Si c'est un rubis de 100, on va plus avoir à farmer de rubis pendant peut-être... Attendez, je coupe mon micro 2 secondes, je coupe mon micro. Là. Désolé, je parlais à mon frère. Je suis un peu chié. Ils arrêtent pas de faire du bruit là-bas. Rubis jaune, ouais, rubis jaune, ça faisait hier rubis comme j'avais dit. Si on arrive à... Si je dis pas de bêtises, ce serait possible de... Attendez. Si je la lance comme ça, est-ce que c'est... Non, c'est pas possible. Si je fais... Oh, je me disais ça allait pas être aussi facile. Non, mais au moins on a 33 rubis. Donc on prend le lance-pierre et je crois que ça va être la fin de cette vidéo. Voilà, on va être dans la boutique. Lance-pierre, 50 pierres, okay. 30 rubis, ouais, je pense bien. J'achète. Mais bon, c'était pas un rubis de 100, j'ai un peu le seum, voilà. Faudrait que vous sachiez, mais bon. Moi, je vais sortir. Ok, donc... Les gars, c'était la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. C'était Daniel. Et à pour une prochaine vidéo.